Le CAC 40 poursuit sur sa lancée d'hier en progression de 0,5% à la mi-séance. Et forte hausse ce midi pour Alten, portée par un point d'activité robuste. Le groupe a enregistré en 2018 une croissance organique de 12%. Atos, de son côté, s'envole de plus de 7%, boosté par l'annonce de la cession à ses actionnaires de 23,4% de sa filiale Worldline, dont il conservera 27,4% du capital. Parmi les plus fortes baisses de la séance, Suez, moins 2,8%, plombé par une dégradation de la part de Morgan Stanley. Rien ne semble pouvoir arrêter le vaisseau LVMH. Alors que les craintes sur l'économie chinoise se multiplient, le numéro 1 mondial du luxe vient encore d'afficher des résultats annuels records. Une performance qui permet au titre de bondir de plus de 6% ce midi. Sur l'exercice 2018, le groupe a vu son résultat opérationnel dépasser pour la première fois la barre des 10 milliards d'euros, en hausse de 21%, pour des ventes en progression de 10%. Emmené par LVMH, tout le secteur du luxe se distingue. Hermès et Kering gagnent en ce moment de 2 à 3,5%. C'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture.